Quel est le secret pour avoir des enfants sages et obéissants? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, auteure du livre « Les clés du passé, se libérer pour changer de vie », coach, auteur et conférencière. Alors, quel est le secret pour avoir des enfants sages et obéissants qui font tout ce que vous leur demandez au doigt et à l'œil? Eh bien, si vous voulez avoir des enfants sages, obéissants, qui vous écoutent au doigt et à l'œil, c'est vrai que souvent on me dit, est-ce que punir, est-ce que crier, est-ce que donner des fessées, ça marche? Ben, la réponse est oui. Si vous frappez vos enfants, si vous criez sur eux très fort, si vous les punissez régulièrement, si vous utilisez les menaces, les récompenses, les chantages, eh bien ça marche. La preuve, c'est qu'il y a des générations entières, et j'en fais partie, qui ont eu ce mode d'éducation et il a bien fonctionné. Et je peux vous dire que moi, par exemple, j'étais une enfant particulièrement sage, obéissante, un enfant modèle, un enfant qui répondait à toutes les attentes de ses parents, à toutes leurs demandes, à tous leurs besoins. Mais est-ce que je répondais à leurs besoins pour coopérer, pour leur être agréable, pour leur faire plaisir, ou est-ce que j'avais peur ? Alors oui, si vous criez sur vos enfants, si vous les punissez, si vous utilisez le chantage, si vous les frappez même, vos enfants vont avoir peur de vous. Et ils auront tellement peur qu'ils vont faire ce que vous allez leur demander. Mais pas pour coopérer, pas parce que ça leur fera plaisir, pas parce qu'ils vont comprendre le sens de vos demandes, pas parce qu'ils auront du respect pour vous, mais simplement parce qu'ils seront terrorisés. Terrorisés à l'idée d'être punis, terrorisés à l'idée de ne pas vous plaire, terrorisés à l'idée de perdre votre amour, la chose qui est pour un enfant la plus essentielle. Terrorisés. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un enfant soumis? Est-ce que vous voulez un enfant qui fasse tout ce que vous dites au doigt et à l'œil? Ou est-ce que vous voulez un enfant qui fasse les choses parce qu'il va comprendre, se mettre en empathie, avoir du respect et prendre conscience lui-même pourquoi c'est important de coopérer? Parce que le vrai secret des enfants heureux, c'est quand on arrive à les faire coopérer, quand on arrive à faire en sorte qu'ils comprennent pourquoi c'est pas conforme de taper sur les gens, pourquoi dire des gros mots ou insulter, ça peut créer des blessures aux autres. Voilà, quand il comprend l'impact de ce qu'il fait, non pas parce qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça et pas autrement, et que c'est imposé par un adulte, mais parce qu'on lui fait prendre conscience de son comportement et de l'impact et les conséquences que ça va avoir, alors tout à coup, on va avoir des enfants qui peut-être ne vont pas tout de suite obéir au doigt et à l'œil à ce que vous allez leur demander. C'est plus long d'obtenir la coopération que l'obéissance. Ça demande beaucoup plus d'implication de la part du parent. Ça demande beaucoup plus d'abnégation. Ça demande beaucoup plus d'amour surtout. Parce que la meilleure chose que vous puissiez donner à vos enfants, c'est de l'amour et de la confiance. Et c'est tout. Alors j'espère que cette vidéo, ça vous fera réfléchir sur le fait de vouloir que vos enfants vous obéissent. Et que si aujourd'hui vous utilisez cris, menaces, chantage, punition et autres châtiments corporels ou alors des propos violents, des cris, des hurlements et des mots blessants, que cette vidéo vous fera réfléchir et changer d'avis. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vais vous mettre en barre d'infos le lien d'une vidéo qui vous permettra de voir pourquoi vous n'arrivez pas à changer vos schémas, pourquoi vous continuez à crier et à vous énerver sur vos enfants alors même que vous aimeriez instaurer la bienveillance dans votre foyer et que vous n'y arrivez pas. En complément de cette vidéo, vous êtes libre de télécharger mon e-book. Tous les liens sont indiqués en barre d'infos. Si vous me voyez en ce moment sur Facebook, je vous invite à vous abonner à cette page. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver d'autres vidéos et retrouver celle-ci plus facilement. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.